smo imali prevod koji je bio stručan, nije do kraja sledio izlaganje profesora Marijana. Zamolila sam profesora da nam se vrati upravo na nedavne događaje u Francuskoj, u Parizu, i da nam još jednom kaže u čemu su to događaji iz fenomenološke perspektive i zbog čega su ti događaji zasićene fenomenalnosti. Hvala. Alors, c'était ma question, c'était justement portée sur le phénomène. Oui, je peux revenir sur la question de la différence entre un objet et un phénomène saturé, en parlant précisément des attentats qui ont eu lieu il y a quelques semaines à Paris, et en les comparant aux attentats qui ont eu lieu en janvier dernier, les attentats dits de Charlie Hebdo. La différence est frappante. Lors des attentats de Charlie Hebdo, l'opinion publique a écouté les partis politiques français qui ont proposé une explication, qui ont donné un concept pour faire face à l'événement. Dakle, razmatrujući ponovo događaje koji su se nedavno desili u Francuskoj i razlikujući ono što bi trebalo da bude predmet od zasićenog fenomena sa kojim smo se susreli, predložio sam poređenje tih događaja sa atentatom koji se desio u januaru mesecu ove godine i predložio sam čitanje koje bi trebalo da razlikuje javno mnjenje koje je u januaru ove godine slušalo političke partije i tumačenje koje su političke partije davale tom događaju sa ovim što se sada dogodilo. Je comprends les choses ainsi. On nous a dit, il y a un événement, mais cet événement est objectivable, rationnel, rationalisable. Il suffit de considérer que on s'est attaqué à la liberté de pensée, à la liberté de parole, donc à la possibilité du blasphème, et donc, nous devons défendre la liberté de pensée, la laïcité et la tradition républicaine française, ce qui est vrai. Et donc, on avait la possibilité de transformer cet événement en un objet intelligible. Mogli smo da tumačimo kroz racionalizujući postupak davanja imena, davanja konceptualnih objašnjenja onome što se desilo i tumačili smo ga kao napad na našu slobodu govora, na našu slobodu mišljenja i na ono što je laicizam traditionnellement présenté en français. Et le concept était inadéquat. Et les choses et la conséquence a été qu'il y a eu des disputes à nouveau sur la laïcité, sur l'amalgame, sur toutes ces choses. Et donc la polémique a très vite recommencé parce que le concept était inadéquat. L'événement n'avait pas pu être transformé en objet. Dakle, koncept koji smo tada formirali je bio neodgovarajući i pored debata koje smo poveli o slobodi govora, slobodi mišljenja, o
laicizmu, o amalgamima koji su se tada dešavali, nismo uspeli da obuhvatimo predmet samog događaja, nismo uspeli da obuhvatimo fenomen koji se dogodio. Nismo uspeli da ga mislimo i izrazimo kroz koncept. Le deuxième épisode d'attentat n'a pas été transformé en objet. Parce que le problème n'était plus un problème de minorité musulmane, c'était plus un problème de laïcité. Les gens qui ont été tués en tant que Français, de manière indistincte. Et visiblement, c'est la totalité de la nation qui était visée. La conséquence a été que ce discours simplificateur et superficiel a été abandonné, et je pense qu'il y a une conscience nationale qui commence à se réveiller, à laquelle ne correspond d'une certaine manière aucune explication de l'événement. Dakle, drugi događaj nije mogao da ostane i da bude predmet našeg mišljenja. Nije se više radilo samo o problemima laicizma, vere, o manjinskim pravima ljudi islamske veroispovesti. Naprosto obuhvaćena je nacija, cela Francuska, obuhvaćeni su svi ljudi koji su učestvovali i koji nisu direktno imali bilo kakav kontakt kao u prethodnom događaju. I šta se desilo? Posljedica je da je u stvari na najjednostavniji način izmakao predmet mišljenja i dogodio se događaj. C'est-à-dire que la nation française doit résister, même si nous n'avons pas d'explication conceptuelle univoque de ce à quoi il faut résister. Alors c'est un problème militaire, un problème policier, peut-être un problème sociologique, un problème de géopolitique, peut-être un problème religieux, mais ça n'est pas certain que ce soit d'abord un problème religieux, un problème culturel, tout ce qu'on veut. Nous n'avons pas de concept suffisant pour comprendre ce qui se passe. Et nous devons affronter ce qui se passe sans essayer d'en donner une explication objectivante réductrice qui apparaîtrait à ce moment-là inadéquate, c'est-à-dire idéologique. Toute explication simple est idéologique, elle est fausse, et donc il faut résister à ce que nous ne pouvons pas objectiver. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas le comprendre, que nous ne pouvons pas l'interpréter. Je dis que nous ne pouvons pas l'objectiver. Dakle, neophodno je sada promisliti što nam se desilo, jer se desilo Francuskoj, Francuskoj naciji, i potrebno je ga je obuhvatiti višestruko. Ne radi se više samo o vojnom problemu, ne radi se samo o policijskom problemu i svim tim nedostacima koji se pojavljuju, ne radi se o socijalnom ili geostrateškom problemu. Naprosto desilo se nešto što nismo više u stanju opredmetiti u mišljenju, zaustaviti u mišljenju, treba da ga prepoznajemo u svim dinamikama u kojima se pojavljuje. Alors, un dernier point. Quand nous devons affronter ce que nous ne pouvons pas objectiver, nous prenons une décision qui est d'abord une décision sur nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas le sujet transcendantal qui décide d'un objet, qui dit s'il est possible ou non, s'il est rationnel ou non, s'il est positif ou non. C'est nous qui sommes, d'une certaine manière, décidés par l'événement. Et il y a un autre cas tout à fait saisissant, qui est celui de la conférence et sur le climat qui a lieu à Paris. La crise
écologique. C'est bien entendu la crise de la température, de, etc., etc., des ressources fossiles, mais c'est surtout la crise de notre manière de vivre. Donc la vraie crise, c'est de savoir si nous sommes capables de prendre une décision sur nous-mêmes. Le phénomène saturé s'oppose au phénomène objectif, en ceci que le phénomène objectif, c'est nous qui décidons du phénomène, tandis que le phénomène saturé, c'est le phénomène qui nous oblige à décider sur nous-mêmes. Et nous avons là deux exemples parfaits. Dakle, kada se suočavamo sa onim što svakako ne možemo obuhvatiti mišljenjem i gotovim konceptima koje već imamo i sa kojima raspoložimo, mi dovodimo u pitanje i nas same. Fokusiramo se na ono što jesmo i na način na koji mislimo to što jesmo. Primer za to je i događaj koji je još uvijek u toku u Francuskoj, summit, ekološki summit svih velikih sila, koji po svom značenju nije samo okupljanje ljudi koji će govoriti o klimi i o svemu tome što ti problemi donose, već je to događaj koji nam govori o krizi načina na koji živimo, prosto situacije u kojoj smo zatečeni i sa kojim se suočavamo u našim životima trenutno. Opet je u pitanju zasićeni fenomen, zasićena fenomenalnost koja nas primorava da promišljamo same sebe. Možemo na engleskom ako... Ne, ne, ja bih pravio na srpskom. Dakle, bez mikrofona. Ja sam imam prilike da pročitam izlaganje profesora Mariona u celini. Žao mi je što nismo ovdje mogli da čujemo njega integralno. Kao u vezi sa ovom potonjom diskusijom, pokušao postaviti neka pitanja. Prije svega, sjajno izlaganje i otvara mnoga pitanja, na primjer, dijagnoza stanja filosofije. Nažalost... J'ai eu l'occasion de lire la conférence de monsieur Marion et je suis... J'aurais aimé pouvoir l'entendre en intégralité aujourd'hui. C'est une conférence excellente qui a ouvert beaucoup de questions. Je ne peux que être d'accord avec le diagnostic sur l'état de la philosophie. Et il est intéressant de, ce contrepoint intéressant entre le monde des choses et le monde des objets, le fait qu'ils ne se recouvrent pas l'un l'autre. Cela pourrait être transposé comme un contrepoint entre le monde de la nature et le monde de la civilisation, et la question serait de savoir ce qu'il en est de la culture. No, ja imam zapravo samo jedno pitanje koje vezi sa samom glavnom tezom ovoga izlaganja, a koje ste onda pokušali date primjer ovih posljednjih događaja u Parizu. Et j'ai une question qui porte sur la thèse lui-même de l'exposé de ce soir, par rapport à l'exemple que vous avez donné des attentats de Paris. Dakle, vaša teza jeste događajnost fenomena. Nešto što bi trebalo da postane univerzalni obrazac, a ne samo ono što se povremeno dešava. Votre thèse porte sur la donation des phénomènes et sur quelque chose qui décrit le phénomène en général en tant que tel et non pas sur certains phénomènes parmi d'autres.
a da bi se izbjegao primat ega, primat ja pola, koji se može konstatovati recimo kod Husserla. De telle sorte qu'on puisse contester le primat de l'ego tel qu'on peut le trouver par exemple chez Husserl. Et sad se postavlja pitanje, na koji način možemo da konceptualizujemo događajni sadržaj ako on nadmašuje pojmove koje mi imamo? Alors la question se pose de savoir de quelle manière est-ce que nous pouvons concevoir le contenu de l'événement si l'événement lui-même dépasse la capacité que nous avons de le concevoir. Pomenuli ste figuru bljeska, bljesak, blesak, rekao sam. Postavlja se pitanje, dakle, šta možemo da radimo sa tim bljeskom? Ako se ostane stalno na nivou bljeska, onda mi to ne možemo konceptualizovati. Mi to moramo nekako da preradimo. Ah oui, l'éblouissement. Vous avez mentionné l'idée d'éblouissement. Pomenuli ste dakle figuru bljeska, pa se postavlja pitanje, a šta mi da radimo sa tim bljeskom? Mi moramo nekako da ga konceptualno preradimo da bi se mogli da razumijemo taj događaj. Et en mentionnant la question de l'éblouissement, vous avez la question se pose de savoir ce que nous pouvons faire par rapport à l'éblouissement en tant qu'il nous dépasse et en tant en même temps que nous devons le concevoir ou le conceptualiser. I sad naravno dolazimo do ovoga primjera koji ste dali. Neizbježno je bilo, čini mi se, da sam događaj koji se desio u Parizu. Donc je reviens à l'exemple que vous avez pris des attentats de Paris. Da on podlegne interpretacijama i da se izvrši pokušaj da se njima raspolaže, da se njega napravi predmet. Jer da toga nije bilo, onda bi smo morali stalno da preživljavamo događaj iznova. Dakle, možemo da govorimo o tome da su ove ili one interpretacije održive ili neodržive, ali mi moramo da prevedemo događaj u interpretaciju da bi smo onda s njim mogli posle živjeti. On peut critiquer le caractère limité des interprétations, des conceptualisations que nous faisons de ce genre d'événement, mais si nous ne le faisons pas, nous sommes condamnés à le revivre de manière répétée. Et donc la question se pose de savoir si nous ne sommes pas de toute manière obligés d'en donner une interprétation aussi limitée ou insatisfaisante fût-elle. Jedno je, čini mi se, da događaje nadmašuju naše pojmove u ovom kantovskom smislu kategorija čistog razuma, a druga je stvar da u našem horizontu očekivanja nije bilo onoga što se desilo u Parizu pri nekoliko sedmica i nas je to potpuno iznenadilo. Ovo drugo je, čini mi se, hermeneutički relevantno, ali bojim se da, kad je pitanje ovaj prvi događaj, prvi moment, da vidite kako imamo konceptualna sredstva koje možemo da razumijemo ono što se desilo u Parizu. Hvala. C'est une chose de dire que l'événement dépasse nos capacités de conceptualisation, et je pense que c'en, et je me dis que c'en est une autre de poser la question concrète des attentats de Paris en dehors de donc, cette conceptualité de ce problème hérité de Kant, puisque nous sommes contraints d'en produire, de chercher à en produire un concept. Et je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Vraiment. Da, potpuno se slažem sa ovim što ste vi rekli. Mais le la différence entre le phénomène saturé, disons l'événement, et l'objet, ça n'est pas que nous comprenons l'objet et nous ne comprenons pas l'événement. C'est que nous comprenons l'objet par avance, a priori, par des concepts a priori. Et le phénomène saturé ou l'événement, nous ne pouvons pas le connaître par des concepts a priori. Pour le dire autrement, le propre de l'événement, c'est qu'on ne peut pas le prévoir. Le propre de l'objet, c'est qu'on peut le prévoir. On peut le produire exhaustivement à partir de ses conditions de possibilité. Et si on peut le produire, on peut le reproduire. L'événement, c'est ce qu'on ne peut pas reproduire, parce qu'on ne peut pas le produire et parce qu'on ne peut pas le prévoir. C'est ça la différence. Donc, l'основna razlika između zasićenog fenomena i predmeta nije u tome da mi razumemo ili ne razumemo šta jeste zasićeni fenomen ili šta jeste predmet,
već činjenica da predmet u svakom slučaju možemo predvidjeti i možemo o njemu misliti kao nešto što možemo i predvidjeti, dok zasićeni fenomen je u svojoj nepredvidivosti nemisliv, još uvek nedovoljno prihvatljiv da bismo mogli da ga mislimo. Et d'ailleurs, Kant le dit très bien, la première détermination selon la quantité dans la table des catégories, c'est justement que les quantités, on peut prévoir la somme de l'objet à partir de ses parties. C'est la détermination de la quantité, ça permet la prévisibilité. C'est d'ailleurs pour ça que l'objet peut être défini a priori. Alors, l'endroit où aucun a priori ne peut intervenir, c'est l'événement. L'événement, c'est ce qui n'est pas possible, a priori. Et c'est pourquoi ce paradoxe de l'événement, c'est que quand il arrive, il est absolument effectif, il y a des morts, dans le cas d'espèce. Et pourtant, tout le monde dit, mais c'est impossible. Ce qui est très juste. Et alors vous me direz, mais... Traduisons d'abord ça. Merci. Déjà, c'est difficile avec Kant. Dakle, kao što je sam Kant već rekao, kada govorimo o zbiru na osnovu kojeg prepoznajemo ili uviđamo neke predmete, oni su predvidivi. Njih možemo računati i možemo računati na njihovu sabirnost, dok su događaji ili ono što se dešava, što nas iznenađuje, neobuhvatni i prosto ne mogu se podvesti pod istu matricu kao i predmeti. Dakle, to a priori što imamo, ono nam je nedostupno. Alors, est-ce que l'on peut néanmoins comprendre l'événement ou d'autres phénomènes saturés? C'est ça votre question. Naturellement. Mais on ne peut pas le comprendre de manière exhaustive. Et on ne peut pas le comprendre par avance. C'est pourquoi il y a toujours une herméneutique. Et l'herméneutique consiste à chercher après coup, a posteriori, des concepts et éventuellement plusieurs concepts. Et peut-être des concepts qui ne peuvent pas se superposer directement. Un très bon exemple, mon éminent confrère et collègue à Chicago, François Furet, dit en commençant son dernier livre, qui était L'avenir, le passé d'une illusion, expliquant l'origine de la révolution de 17, la guerre de 14, explique que pour les historiens, la guerre de 14 n'a pas de cause. La catégorie de la causalité ne s'applique pas à la guerre de 14. Il y a de multiples causes, et il y a des historiens qui travaillent toujours sur la guerre de 14 pour faire la bonne herméneutique, la moins mauvaise, qui tienne compte de toutes les différentes causes possibles. Donc l'événement, c'est ce qui n'a pas de cause et que l'on ne peut concevoir qu'en lui répondant sans le comprendre, au sens où l'on comprend un objet. C'est ce qui fait la difficulté. La politique, c'est l'art de réagir correctement à un événement que l'on ne peut pas objectiver. Pourquoi ça n'est pas, il n'y a pas de science politique. La politique commence là où il n'y a plus de science. Je suis désolé pour mes collègues des sciences politiques, mais enfin, c'est l'évidence. Il faut beaucoup plus que de la science pour faire de la politique. Ce n'est pas dire qu'il ne faut pas de science en politique, mais c'est-à-dire qu'en dernière analyse, ça n'est pas une affaire de science. C'est pourquoi les technocrates sont des assassins. Ben,
Dakle, događaj ne možemo razumeti, jer ne možemo iscrpeti razumevanje događaja. Mi možemo samo obuhvatiti sve ono što on pokriva i dobar primer za tako nešto je dao moj kolega François Furet u svojoj knjizi Prošlost iluzije, kada je na primjeru Prvog svjetskog rata rekao da, sada objašnjavam taj primjer, dakle, da je hermeneutičkim načinom moguće obuhvatiti sve uzroke Prvog svjetskog rata, a ne jedinstveni jedan istiniti uzrok, već hermeneutički pristup nam dozvoljava taj pogled unazad sa kojim ćemo u kompleksnim šemama razumevati celokupnu situaciju i nećemo se pozivati samo na jedinstveni uzrok. Uzrok. Dakle, događaj, ako ga mislimo, dakle, ako ga obuhvatamo, nema jedan uzrok. Mi moramo tražiti razumevanje njegovo naknadno. I ako baš hoćete, politika i umjetnost vođenja politike koja treba da misli i ono što jeste događaj, je daleko više od onoga što nudi samo sadašnji trenutak real politike. Takva politika bi trebalo da bude sveobuhvatnija, a ova sadašnja real politika u stvari ubija i samu političnost politike, samu politiku. Donc, je crois que la vraie réponse à votre question qui est centrale, c'est de savoir si nous pouvons produire de la rationalité sans toujours exiger que les choses deviennent des objets. C'est ça la vraie question. Parce que, reprenons les deux autres objets de la métaphysique, en dehors du monde, dont Vincent se vient de parler, la question de Dieu, ou la question de l'homme. La question de Dieu est relativement simple. Par définition, si Dieu est Dieu, il ne peut pas se comprendre comme un objet. Car s'il se comprenait comme un objet, ce ne serait pas Dieu. Donc, connaître Dieu, c'est le connaître en tant qu'incompréhensible. D'ailleurs, tous les pères, latins et grecs, ont tous dit cela. Donc, il faut à ce moment-là apprendre à connaître sans objectiver. Mais ceci vaut aussi pour la connaissance de soi. Car nous avons progressé dans la connaissance du sujet humain, comme on dit. Mais à chaque fois, c'est en faisant un objet. L'objet de la physiologie, l'objet des sciences cognitives, l'objet du cerveau, l'objet de l'économie, enfin, l'objet. Et le motif pour lequel nous sommes insatisfaits par ces connaissances qui sont pourtant immenses, c'est le fait que nous ne connaissons pas celui qui connaît l'homme comme objet. C'est-à-dire, je peux me connaître comme objet. Et très bien. Le seul problème, c'est que ça n'est pas moi. D'où ce paradoxe incroyable que le lieu du « je » que je suis vraiment se nomme maintenant l'inconscient. Si on veut savoir où est la conscience de soi, véritablement, elle n'est jamais dans ce qui est objectivable. Elle est dans ce que je ne peux pas objectiver, qu'on appelle, c'est incroyable qu'on en soit arrivé là, on l'appelle l'inconscient. On voit très bien les limites de l'objectivation. Et se connaître soi-même, c'est justement être en paix avec cet inconscient non connaissable qui est justement ce à quoi j'ai affaire. Vous
me faites un cadeau, là. Dakle, primjer koji je relativno jednostavan u dokazivanju te razlike između fenomenalnosti i predmeta našeg znanja je primjer spoznaje Boga. Dakle, onda kada želimo da spoznamo Boga kao predmet našeg mišljenja, nikada ga nećemo saznati, nikada ga nećemo ni dokučiti. Boga ćemo spoznati samo ukoliko prevaziđemo taj nivo opredmećivanja našeg saznanja, što nas uče i oci srednjovekovni. No, međutim, preostaje taj motiv spoznaje koji nas i ne zadovoljava do kraja, jer u krajnjoj liniji Bog je taj koji nas poznaje kao svoj predmet. Te tako, ako same sebe ne posmatramo kao predmete, onda to više nismo mi. Dakle, bez obzira što Bog nas posmatra i poznaje kao predmete, ukoliko mi krenemo da spoznajemo sebe kao predmet svoje fenomenalnosti, to nismo mi. Udaljujemo se od onoga što jest. I tu se pojavljuje granica same svesti sopstva, što dovodi i do nečega što sada poznajemo kao nesvesno. Granica naše opredmećenosti se upravo u nesvesnom manifestuje.